Elle peine encore à ancrer dans les habitudes de bon nombre d'usagers de la route. La courtoisie au volant et au guidon est un sujet qui donne lieu à des interprétations. Il y a des gens qui ne sont pas courtois, ils commencent par injurier, voire impoli, chez hein, Il y a bête, tout ça, là. Tout le monde des trucs comme ça là, que... bon, des provocations. Quelqu'un peut te laisser son côté maintenant? Vous ne commencez pas à passer par côté droit de l'autre. L'autre l'a parler, il va commencer par jurer. Il y a des gens qui respectent il y a des gens qui ne restent pas. Coup de klaxon, intempestif, gestes déplacés sont autant de comportements discourtois les gens sur les axes routiers. Vous circulez sur une route par exemple où l'usager par temps de nuit vous lance le phare. Ça indispose l'autre usager. Ça veut dire que celui qui a fait n'est pas courtois. Il est en train d'indisposer l'usager qui vient en face. Ou bien, par exemple, à cause de ma vitesse, j'éclabousse l'usager avec l'eau qui stagne et peut-être même que ça va amener les conflits. Selon une étude sur la sécurité routière, une conduite courtoise réduit de 30% le nombre de blessés sur les routes et de 50% le nombre de tués. Lorsque celui qui, théoriquement, devrait être prioritaire, marque l'arrêt pour vous et vous demande de passer, vous devez pouvoir lui faire un geste pour lui dire, OK, très bien, je suis fier de vous. La courtoisie, c'est un élan, c'est une façon de montrer à l'autre usager qu'il a très bien fait ou il a mal fait, mais on souhaite que demain, il ne recommence pas les mêmes erreurs. Pour les spécialistes de la sécurité routière, la courtoisie se manifeste en cinq gestes. La courtoisie dans le maintien de la distance, dans les manœuvres effectuées, dans le respect des signalisations, dans le langage verbal et corporel.